Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Portal Knights. Et dans ce nouvel épisode, donc on est rendu déjà au troisième monde, il me semble, hein, si j'ai pas, si je me trompe pas. Et du coup, on va essayer de continuer, voilà, d'évoluer, de faire ce qu'il faut pour essayer de vraiment avancer. Donc c'est parti, les amis. Donc là, on y va. C'est parti. Alors il y a marqué dessus 44. Je pense que ça, il doit y avoir 44 niveaux en tout. Donc on verra bien ça de toute façon au fur et à mesure de l'histoire. Donc là on retourne au niveau 3. Donc hop, vous voyez quand même qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors dans l'épisode précédent nous avions vu comme quoi il y avait quand même pas mal de bâtisses et tout. Mais que en fin de compte il n'y avait pas vraiment de choses indispensables à faire. Ou tout du moins s'il y a des choses indispensables à faire, elles sont bien cachées, hein, on va pas se mentir. Alors j'avais trouvé le coffre. Alors on a un nouveau type de ressource aussi, le charbon. Donc je sais pas si vous l'aviez vu aussi. Je veux casser. Alors on peut pas. Pourquoi? Pourquoi je ne puis pas? Alors attendez. Pourquoi je ne puis pas? Alors déjà je suis plein. Déjà ça c'est. Alors déjà une chose que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire les pierres bleues. Voilà comme ça. Ça va faire un slot disponible. Ensuite celle-là. J'utilise pas la mana. Ça, c'est pareil, les graines, hein, on va pas s'en servir. Voilà. Donc déjà, ça veut dire que maintenant, je peux éventuellement casser. D'accord, c'est pas ce que je voulais faire. Bon. Ça se collecte comment? A priori, on peut pas le collecter. Ah, celui-là, on peut. Ok. Ah, là, je peux, là, maintenant. Bon, cherchez pas. Alors du coup on a du charbon. Mais je peux pas collecter. Si à côté, il y en a d'autres là. Je sais pas à quoi sert le charbon dans l'immédiat, donc on verra par la suite à quoi ça sert. Donc maintenant ce que j'aurais voulu voir moi, c'est si on peut faire des équipements un peu plus puissants. Parce que je me dis que là, niveau équipement, c'est pas ce qu'il y a le mieux, enfin, je trouve. C'est pas le must. On va essayer de se monter un petit niveau, je sais pas du tout où on en est au niveau du niveau suivant. Ouais, on est quand même loin. Mais bon, on peut se tenter de se faire un petit montée de niveau. T'as pas envie de monter. Bon, mais t'as envie de monter, vas-y, monte. Ok. Allez, c'est parti, on enchaîne. Ça, c'est fait. T'as pas envie de me toucher, t'as pas envie. Ça c'est fait. On enchaîne. Un papillon. Est-ce que je peux tuer le papillon? Ok, c'est parti. Lui, c'est pareil. Alors là, est-ce que je suis à portée de la feu? Ah ça c'est cool. C'est un peu lâche, mais c'est cool. Que du coup, je peux y accéder sans trop me fouler, on va pas se mentir. La tortue géniale là-haut là. Allez, allez, j'ai la portée. Allez, c'est bon, j'ai pris les dégâts, j'ai pris les dégâts. Ouais, j'ai pris les dégâts, je crois. Bon, on va quand même monter parce que là, sinon ça peut durer très longtemps. Tac, tac, et tac. Voilà. Ok, ça c'est good. Alors, est-ce qu'on a. Alors, les mondes, c'est une question qu'on m'a posée. Les mondes sont définis, hein, donc y a pas, c'est pas des maps infinies. Hein. Il y a quand même une limite de cartes. Donc c'est pas la peine d'essayer de d'aller plus loin quoi, que la zone possible. Alors là, on a un nouveau type de mob. Alors on est de nuit forcément. Yes, je l'ai eu. Qu'est-ce qui m'a droppé? Oh, juste du portail, d'accord, c'est juste pour l'XP en fait. Alors on va essayer de retourner un petit peu. Alors, je sais pas si. Peut-être ce. Ouais, non. Ok, on va remonter du coup. On va voir si je peux pas trouver le portail pour aller dans la zone suivante. Pas dans la zone suivante, dans le. Juste près du portail, quoi. Comme ça, j'ai fait à ma table. Ah voilà, elle est là. D'accord, elle est là. C'est bon. Ah mince, bloqué.
Ok, on va déjà un petit peu faire un petit peu de nettoyage là. Voilà. On va faire une table de craft. On va faire aussi un coffre. Je pense qu'on va faire ça dans tous les mondes en fait. Dans un but vraiment de d'être large quoi, on va dire à ce niveau-là quoi. D'ailleurs, qu'à chaque fois que j'arrive dans un monde, ben, je puisse clairement faire mes outils et tout quoi. Alors là, hop, on va récupérer le charbon aussi. Là, du coton. Parce que j'aimerais bien aussi faire un équipement complet parce que je remarque que j'encaisse beaucoup de dégâts. Et ça serait peut-être pas plus mal de faire un équipement complet, ne serait-ce que pour avoir tous les apports qu'apportent justement les équipements. Ok, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant. Oh, du coton encore. Hop, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer du coup mon établi. C'est parti. J'ai de la place ou pas? Ah, du coup, j'aurais pas de place par contre. Donc, ça, je vais jeter. Ça, je vais jeter. Je vais faire du coup l'établi. C'est parti. Hop. Et je récupère ça. Je récupère mon établi aussi. Voilà. Et je vais faire du coup un coffre mais que je ferai avec mon établi. Alors, on va mettre l'établi à la place de ça par exemple. On va la caler genre. Ouais, ici, c'est pas important. Peu importe. Et on va faire du coup un coffre. C'est parti. Un coffre là. Alors vous voyez qu'il y a plein d'autres choses, hein. Hôtel. Je sais pas du tout ce que c'est. Utiliser pour confectionner des objets magiques, ok. Utiliser pour faire fondre les minerais, ça peut être bien. Le coffre, bon, ça c'est pour stocker, on va pas se mentir. Confectionner des objets en métal. Ah. Là, ça va pas. Ça va peut-être le faire, ça, les amis. Ça va peut-être le faire. Sachant que je vais mettre cette zone comme nouvelle zone principale. Hop. Et l'enclume du coup. Et je pense peut-être même faire ma maison là-dessus, dans ce monde-là pour le moment. Sac à dos plein. What? Mais non, il est pas plein, regarde. Je le savais. Ok. Donc on va tester du coup. Ça, c'est bon. L'épée. Bon, c'est vrai que je l'utilise pas. J'en ai fait une, mais ça me sert à rien. Je vais. Voilà, parce que là, pour le moment, moi je vois. Ça me stresse là, de pas pouvoir avoir la place de poser ce que je veux. Voilà. On va la mettre genre là, l'enclume. Et puis le coffre. Chut, hop, on va le mettre. Est-ce que je peux tourner le coffre? Non, t'as pas envie? Bon, bah écoutez. Dans ce cas-là, j'ai peut-être là. Ok. Donc je vais y stocker du coup des ressources que je n'utilise point. Donc c'est-à-dire bah, du coup mon épée. Du coup. Étant donné que j'utilise des œufs pour me heal, je pense que je vais les stocker aussi. Un petit peu comme dans votre monde. Ça c'est pareil, on va les stocker. Ok, ça c'est bon. Et puis ça aussi. Maintenant, ce que je vais voir, c'est ce que je peux crafter du coup sur cette enclume. Alors, du coup, au niveau des outils, pioche en pierre, ça c'est ce que j'avais déjà. Mais est-ce que je peux faire des... Ah, voilà, hache en cuir. En cuivre. Et du coup, je pourrais faire fondre. Ah ouais, il faut que je fasse une fonderie en fait. Il faut que je fasse cette fonderie là. Ouais, il faut que je fasse cette fonderie. Donc on va faire la fonderie, hein. Pas la fonderie, mais la... le fourneau. Et ça demande juste de la pierre et du bois, donc c'est parti. Nice. Parce que je suis assez curieux de voir comment ça me fonctionne en fait ce système. Donc hop, c'est parti. Tac, on va le mettre. On va le mettre ici. Barre de cuivre. Il me faut juste du charbon. Ah ben voilà, le fameux charbon. Du coup, c'est parti. Parce que j'avoue que j'ai vu des choses qui me plaisaient. Entre autres. Hop. Entre autres ici. Au niveau des armes. Après, il faudra voir, hein. Ça se trouve, il y a peut-être des choses. Hop, merci. Je sais que là, on peut faire des blocs de cuivre. Ça, c'est plus pour l'esthétique, je pense. Là, c'est quoi? Du coup, on peut pas faire d'équipement supplémentaire. Ah, mais non, là, je suis dans le fourneau, je suis bête. Faut que j'aille ici. Si je fais ça, j'ai pas accès à plus de... Non, ça va être dans ce cas-là, ça va être sur la forge. Bah non. Ok, bon, bah autant pour moi. Ok, sachant que je pourrais faire quand même une épée assez puissante, là, grâce à du cuivre. Ça pourrait être sympa. Et surtout, on va pouvoir commencer aussi à faire des... Voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire? On va pouvoir commencer à se faire des bons petits équipements, là. Plus 50 de santé et tout. C'est quoi, ça? Résistance aux dégâts de mêlée. Santé, santé. Cape de chevalier. Anneau renforcé de la nature. Résistance aux dégâts naturels. Nice, hein. Et du coup, ça donne aussi de la défense. Par contre, t'as joué un truc, là. Établi. Ah oui, d'accord, ça c'est ce que... D'accord. Ok. Ben moi, elle me tâte bien cette tenue-là. Elle me tâte bien. Et là, ça met quoi? Restaure 2% de durabilité lorsque vous terrassez un ennemi. Ça, c'est cool. Et du coup, ça donne quand même masse de vie, quoi. Vie, vie.
jusqu'aux os. Et là, des dégâts critiques. Ben moi, il me botte bien. Il me botte bien cette combinaison-là. Donc je pense que je vais la faire. Parce que Dompteur, elle, c'est santé, mais c'est un peu moins puissant, quoi. Et du coup, là, il faut quoi? Il faut... Ok. Ouais, c'est surtout ça, là. Les écailles. Je sais pas où c'est qu'on va choper ça, mais on va essayer de choper ça. Du coup, on va essayer déjà de farmer ce qu'il faut. Est-ce que je peux déjà m'en faire un, là, tout de suite, maintenant? Il me manque quoi pour faire, genre, le casque, par exemple? Deux tissus. Alors, le tissu, normalement, je dois pouvoir en faire. Alors, on va faire ça. Tu peux me permettre de... Merci. Fourneau. Ouais. Ok, tissu. C'est parti. Établi. Mais je suis pas sur l'établi, là? Ah, non. Voilà. Là, je suis sur l'établi. Donc, on va en faire deux. Je crois que c'est tout ce qu'il fallait. Hop. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire, du coup, notre petit home. Là, ça va être classe, les amis. Déjà, on va avoir une testasse de ouf, là. Wouah! Cette testasse de ouf. C'est énorme. C'est énorme. On commence à avoir de la gueule. Je vous le dis. Les bras, ça va être pareil. Il va falloir qu'on s'en fasse aussi. Du coup, notre fourneau, là. On va peut-être faire d'autres barres de cuivre. Parce que je me rends compte que j'ai pas mal des minerais de cuivre. Du coup, on sait en récupérer. Donc, je pense que j'irai en farmer d'autres. Hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, hop. Voilà, on va mettre tout à cuire. Parce qu'en fin de compte, il me servira à rien. Comme c'est fait. Du coup, enclume. Ouais, il n'y a pas d'arme à distance par contre. Là, on met un arc. Mais c'est vrai que j'ai pas d'arme d'arc plus puissant que ceux que j'ai. C'est un peu dommage. Enfin, des potions de soins. C'est quoi ça déjà? De l'eau et des baies. Ouais, d'accord. Et là, on s'en moque. Là, il n'y a rien d'intéressant. Là, bah, l'établi me permet de faire plein de petits trucs. Œuf de Pâques doré. Ça fait quoi ça? D'accord, ok. Ouais. Ok, enclume, coffre, fourneau, hôtel. Alors ça c'est pour confectionner. Hein. Le lit pour passer la nuit, non peut-être non? Passer la nuit peut-être. Ça peut être bien. Ça peut être pratique. Ok, là on a quoi? Donc les pierres. Ah, je pense qu'après par la suite on aura d'autres pierres de portail dans les autres niveaux. Donc je pense que ça sert à rien d'essayer de farmer les bleus parce qu'en fin de compte au bout d'un moment, bah, on n'aura plus besoin quoi. Ah ouais, la terre. Je me disais bien que la terre servirait pas. Servirait... Au début je me disais qu'elle servait à rien, mais je me disais bien qu'au bout d'un moment ça aurait son utilité. Donc alors, maintenant qu'on a quand même bien avancé sur ce point-là, parce que maintenant on sait comment ça marche, je pense que... Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Bah oui. Peut-être récupérer ses ressources. Alors du coup, je pense que moi je m'installerai ici. Je pense, très sincèrement. Ah. Il a l'air d'avoir... Non, c'est un effet esthétique. Ok. On a trouvé le portail en tout cas. Donc je pense qu'on va faire un peu de déforestation. Et on stockera dans des coffres les ressources. On va s'installer ici un petit moment. Histoire de... Bah, peut-être... Bah, faut construire notre première maison, quoi. Clairement. Après, il y aura peut-être un autre monde où on sera peut-être mieux. Mais dans l'immédiat, on va se positionner ici. Voilà. Sachant qu'en plus, on a de la pierre ici à récupérer pour éventuellement faire une maison, quoi. Je pense que j'aplanirai la zone et puis voilà. Voilà, c'est pas mal. Ok, on va pour choper encore un peu de bois. Voilà. Impeccable. Impeccable. Wow, il y a du monde là. Ok. Alors tortue géniale, on va la calmer de suite. Aïe. Et dodo, tortue géniale. Ok, c'est parti. Alors la plante là-bas, je pense qu'il y a moyen que j'ai porté. Allez, 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 go, 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 go. Vas-y, arrasse, 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 arrasse. Oh, les dégâts qu'elle m'a mis là. Oh, les dégâts de ouf qu'elle m'a mis, quoi. Ok, ça c'est bon. Il y avait d'autres mobs, je crois, ici, hein, il me semble. Ouais. Tortue géniale, là. Ah là là, c'est bon. Ok, maintenant on va se faire la plante. T'es morte. Ok, on est pas loin du niveau 4, c'est cool. L'avantage c'est que si vous êtes des bons farmeurs, vous pouvez très rapidement, mais du coup, prendre des niveaux d'avance. Pour avoir ensuite clairement ce qu'il vous faut pour continuer quoi. Alors mes équipements commencent à faire la tronche là. On va pas se mentir. Donc il va falloir que je
farm un peu pour avoir, pour refaire mes équipements du coup. Ok. Du coton, parce que ça c'est important. Je pense que plus on va débloquer de niveau, plus on va découvrir de nouveaux crafts, et ça va être intéressant. On va pas se mentir. Alors je récupère des baies parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des popos de heal grâce aux baies. Et les popos de heal, quand on voit quand même ce qu'elles apportent, c'est quand même intéressant. Voilà. Alors là, j'ai vu que j'ai des graines de coton. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les planter ici. Je vais en faire mon jardin de ce coin là. Vous voyez, en plus c'est départagé par de la pierre là. Je pense que je vais utiliser ça pour faire un style. Style, c'est voilà, j'ai fait exprès. Alors, printanier. Alors, ça doit être des graines d'arbres. Je pense que je vais en planter quelques-uns. Voilà. Parce que ça, après, on retrouve un petit peu l'état d'esprit Animal Crossing. Je sais pas si, enfin, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment ce principe-là où vraiment on va farmer grâce à de la plantation et tout ça, la culture. Là, j'ai l'impression que ma hache fait plus trop de dégâts, enfin fait plus trop de dommages pour la récolte. Donc du coup je pense que pas tarder à en refaire une. Ok. Voilà, on commence à être bien niveau ressources. On est bien refait. On a le portail qui est à côté, ce qui fait que il y aura cet avantage de du coup d'être pas loin du portail. Si on fait une maison, imaginons je veux switcher du niveau 3 au niveau 4 très rapidement, j'aurais juste à aller à ma maison, qui est juste pas loin du portail en plus, c'est vraiment, enfin, tout est côte à côte quoi, c'est vraiment excellent. Là-dessus c'est vraiment très bien. Voilà. Donc, là on a un sacré plein quand même, au niveau bois, entre autres. Donc, hop. Je vais stocker ça là-dedans. Alors, il y a plein de choses de toute façon que je vais stocker là, dans le coffre. Et de toute façon, je ferai des coffres bien rangés par la suite, bien sûr. Alors là, ce que je propose, c'est qu'on ouvre le portail, qu'on jette un coup d'œil et qu'on vienne ici. Parce que bon, ouais, on est quand même bien. On a quand même du boulot ici, quand même, à abattre. Et j'aurais bien voulu passer le niveau avant d'aller au niveau suivant. Voilà, le portail est activé déjà. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais. Tuer 2-3 tortues là. Ouh là, même faire un plein de mobs là. Ça c'est fait. Hop, avec un petit cœur qui va bien. Ah là là. Là c'est bon, c'est fait. On n'est pas loin du niveau suivant. Qui est aussi près. Ok, là c'est parti, attention. Ah, la tortue qui arrive, attention. Voilà, fait dodo. Yeah, niveau 4 les amis. Alors niveau 4, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Attention. Alors déjà une montée des caractéristiques bien sûr. Et on n'est pas encore là mais je pense qu'on va pas tarder. Augmente les dégâts d'extraction, élégance dans l'extraction. Bon, réduit la durabilité perdue lors de l'expansion. Ok. Ok, ça c'est bon. Du coup, bah, on va se faire encore quelques petits mobs. Hop, 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 esquive. Voilà, ça c'est fait. Et le dernier. Ok, nice. Ça c'est bon. Bon, on est bien là. On est bien, on est bien. On a monté un niveau, c'était l'objectif.
Il y a une petite mine là que je pense qu'on je vais vider assez fréquemment, je le cache pas. Déjà je crois d'ailleurs ça rapporte du cuir. Je vais peut-être m'en. Voilà. On va pas cracher sur quelques minerais de cuivre. Il y a deux portails en fait. Il y a deux portails les amis. What is the fuck? Alors je suis assez curieux parce que là du coup on devrait avoir qu'un seul portail, on en a deux. Donc je pense qu'on va essayer d'activer celui-là aussi. Parce que là, ça m'intrigue. Perdu. Try again. Merci. Je vous avoue que ce portail, ça m'intrigue de savoir où il mène. Donc je vais aller voir. Et puis si jamais ça ne m'intéresse pas, ben... Parce qu'il y a deux portails en fait, hein. J'ai activé un portail. Et il y en avait un deuxième, donc est-ce que ça amène à un niveau spécial? Je sais pas. Donc allons voir. Niveau 5. D'accord, niveau 5. Alors le niveau 5, clairement, là j'ai peur qu'on soit sur des mobs beaucoup trop costauds pour nous. Donc on va peut-être pas rester. C'est même sûr. Donc on va aller directement. On va retourner au niveau... Ah d'accord, niveau 3. Ah d'accord, ok les amis. Je viens de comprendre. En fait, à partir du moment où... voilà, niveau 4, vous voyez, je l'ai activé ici. À partir du moment où... il y a des moments où on va bifurquer en fait. Vous voyez, on bifurque. Et du coup, les mondes ne mèneront pas au même endroit. C'est-à-dire que le niveau 5 ne pourra pas être atteint via le niveau 4. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Il faudra vraiment faire des... Waouh, des... Ouais, ça va être corsé. On va pas se mentir. Ça va être corsé. Alors... déjà, celui-là, je vais le définir comme base déjà, parce qu'on a dit que voilà, qu'on allait le faire. Ouais, au niveau des portails, je crois d'ailleurs qu'on les a tous activés de toute façon. Ouais. Ouais, ça a l'air bon. Bon bah écoutez, vous savez quoi? Ça a l'air bon. Ce que je vais faire, c'est que là, on va aller au niveau 4 quand même. S'y rendre. On va aller au niveau 4 parce que je pense que c'est une suite logique. Hein, on va pas non plus sauter trop les étapes, sinon ça va être un petit peu perdu, quoi. Donc voilà. Ok, allons-y. Sable brûlant. Ah j'aime pas déjà. Rien que le mot déjà sable brûlant, déjà ça me plaît pas déjà. Ok. Tiens, prends ça, tiens, tiens. Tu dis quoi là? Hein? Tu dis quoi là? T'as un DPS toi en plus toi. Vas-y, frappe-moi. Allez. Loupé. T'es mort par contre. Une écaille! Ah d'accord, j'ai trouvé où sont... J'ai trouvé où on a les écailles les amis. J'ai trouvé où on a les écailles, c'est cool. Parce que du coup, j'ai pouvoir me faire tout l'équipement là. Ça c'est cool. Tout l'équipement là. Ultra cheaté. Ça va être bon ça. On va avoir masse de vie. Ah, masse de cuivre aussi. Mais du coup, on va faire le plein de cuivre. Et puis je pense qu'on retournera sur le niveau 3. On sera pas du coup amené à revenir sur le niveau 1 et 2. On n'a pas de logique. On a logiquement pas besoin de revenir sur ces deux niveaux-là. J'y voyais plus clair. Alors je crois que ma pioche elle est complètement mamée. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est je vais regarder si je peux en faire une autre. Parce que là je crois qu'elle est complètement mamée celle-là. Est-ce que je peux la faire déjà? Pioche en pierre. J'ai pas de pierre. J'ai pas de pierre! Oh non! Faudrait que je prenne de la pierre. Ok. Ah, là ça par contre ça c'est bien ça. Reste à hauteur comme ça. Je vais tenter de la rase comme ça là. Ah bien finir par la tuer au bout d'un moment. Voilà. Comment tuer une bébête sans trop se fouler. Ah, lui ça va être la même punition. Ça c'est un peu facile, mais bon c'est une astuce, hein, comme une autre. Hein. On va pas se mentir, hein, on va pas cracher sur les petites astuces. Ok, je vais monter. Et puis je pense qu'on va pas tarder à arrêter l'épisode là-dessus. Je pense que je vais, hop, descendre. Enfin, monter en haut déjà. Tac. Pour aller chercher... Ouh, là. Pas tout seul d'ailleurs en haut. Là, ça se la joue vraiment là, là. Hop là. Non, pas aujourd'hui. Et voilà les amis. Une écaille encore, ça c'est cool. On a encore une écaille.
Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense qu'on va revenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir déjà sur l'ancienne base, sur l'autre base. Hop, on va revenir au niveau 3 du coup. C'est parti. Et du coup, on va essayer de se faire les équipements qu'on parlait. Comme ça, au moins, on sera fixé sur les équipements, on aura ce qu'il faut. Et ça sera cool. Parce que c'est vrai que c'est ce qui me trottait. Parce que j'avais vu que les écailles, j'en avais eu un dans un coffre. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'on pourra en avoir d'autres, quoi, clairement. Donc là, déjà, je vais mettre. What? Ah d'accord, ok. Je vais mettre à fondre. Non, pas à fondre. Je vais mettre donc. Alors attendez. Que je retrouve. Ah non, c'est sur l'enclume qu'il faut que j'aille. L'enclume. Au niveau des équipements. Alors, nous on a le haut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le gantelet parce que j'ai pas encore d'équipement de gantelet. On a pas mal de coton, donc je pense qu'on va faire du coton. On va faire du coton là. Ah, faut que j'aille sur l'établi. Ah ouais, c'est vraiment du switch continuel quoi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Nickel. Normalement, c'est tout ce qu'il me faudra pour faire mes équipements. Je vais retourner sur l'enclume. Je vais là-dessus. Et là, normalement, je peux faire les gantelets. Ça, déjà, c'est cool. Allez, viens là. Et je vais tout de suite te mettre. Bim! Là, je commence à avoir de l'allure. On va pas se mentir. Je commence à avoir de l'allure. J'ai envie de remplacer le pantalon. Ouais, j'ai envie de remplacer le pantalon, de faire tout de suite un pantalon. Il me manque quoi pour le pantalon? Il me manque 3, oh là, 3 tissus, je sais pas si je les ai les tissus là. On va voir. Faudra que j'aille sur l'enclume encore. Je sais pas si je vais pouvoir en faire 3. On va voir ça. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon, cool. Du coup, je vais pouvoir faire le pantalon. Donc c'est parti, et je pense que d'ailleurs, on va s'arrêter là-dessus, parce que je crois pas que j'aurai assez pour faire le reste. Ouais, j'ai plus du tout de ressources à côté. Donc je vais mettre le pantalon quand même, qui est quand même plus intéressant. L'ancien pantalon que j'avais in the poubelle. Du coup, je vais. Ah oui, la question à 50 euros. Attention, est-ce que j'ai de quoi me faire ma pioche? Non, j'ai pas assez de pierre. Donc il faudra que je tente de trouver de la pierre, les amis. Donc franchement, ma fiance. Ah mais non, de la pierre, on en avait là-bas. Près du portail. Il me semble. Oh, il y a aussi du monde. Il y a aussi du monde là, c'est barbuck là-bas là. Alors, est-ce que je peux faire un arc déjà? Parce que l'arc, clairement, j'en ai besoin. Ouais, c'est bon. C'est cool. Donc je vais le mettre à la place du coup de mon équipement actuel. De celui-là qui est joué actuellement, qui est complètement KO déjà. Et du coup, c'est parti. On va y aller en mode nettoyage. Oh, il y a du monde, c'est impressionnant. La nuit, c'est très très logique par contre. Allez, meurs, 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 meurs. Oh là là, oh là là, oh là là, ce qui me met, oh là là, ce qui me met, ce qui me met, ce qui me met. Oh là là, ce qui m'a mis là. Ah, ça va mieux, mais. Fouf, t'as mis cher là. Oh, t'es mort. Ah ouais, d'accord, même quand il meurt, il. D'accord. Ok. Aujourd'hui. Voilà, lui c'est bon. Je pense que pour repousser les monstres, il faudra peut-être que je mette des torches. Je sais pas, j'ai un doute. Je vous avoue que je découvre en même temps. Oh là là, il a eu le temps de me mettre un petit coup là. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. Ils ont une portée aussi là. C'est bon. Lui, il se relèvera plus. Ok. Bon, écoutez, là, il y en a vraiment beaucoup. Je voulais récupérer un peu de pierre, mais je pense que ça sera pas pour ce coup-ci. Peut-être limite en faisant ça vite fait. Ok. Voilà. J'ai pris mes deux blocs. Personne ne me suit là, c'est bon? Ok, c'est cool. Ok, je vais retourner à ma table. Je pense que là, avec ça, je peux faire du coup. Je peux la faire du coup. Ouais, je peux la faire, c'est bon. Ok, c'est cool. Merci l'ami. Du coup, hop, 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 hop. Voilà, on repart à neuf les amis. Donc vous voyez que ça devient de plus en plus compliqué. On va pas se mentir, hein. Ça devient de plus en plus compliqué. Les mobs commencent à taper fort aussi. Va falloir commencer à s'équiper correctement. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur Portal Knight. À très bientôt les amis.